Eh bien, salut tout le monde, c'est Pola59 pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve tout simplement comme vous le voyez pour une face commentary. J'espère qu'on me voit bien, il y a l'air que non, donc attendez, je vais allumer juste un petit peu ceci et je vais le mettre vers ma tête. Donc désolé si c'est un peu blanc, pourtant j'ai allumé ma lumière mais apparemment ça sert à rien. Attendez, je règle un peu, voilà, donc j'aurai une tête un peu bleue, donc j'en suis vraiment désolé. Donc aujourd'hui on se retrouve pour comment dire, une vidéo IRL pour tout simplement faire un setup. Tout simplement, donc voilà, je voulais faire un petit passage juste avant pour vous dire que voilà, que comment dire, que je vais faire un setup et tout ça, donc voilà. Donc je switch de caméra et je vous retrouve tout de suite tout simplement. Donc à tout de suite. Donc on commence, donc désolé si vous avez vu mon jean. On va commencer par le principal, donc comme vous voyez, bah, la PS3, hein, tout simplement. Je l'ai toujours, hein, avec bien sûr la manette. Le petit AverMedia que je vais expliquer un petit peu, le petit problème que j'ai avec l'AverMedia. C'est pour ça qu'en gros, qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos sur console en ce moment. Enfin, que j'ai pas beaucoup de vidéos, mais je vais vous expliquer un petit peu pourquoi par la suite. Donc j'ai mon écran qui est ici, je vais vous expliquer pourquoi il y a un menu PC dessus. Donc mon écran c'est un Thomson, il fait un petit 5 ms par seconde, c'est vraiment top. Donc c'est un écran, c'est une télé en fait qui accepte ce que vous allez voir par la suite tout simplement. Donc ensuite bah, j'ai mon petit casque que vous avez déjà vu, donc attendez, voilà, on bouge. Donc c'est le petit casque Neo tout simplement, donc c'est un casque normal, donc normalement il s'allume ici. Je vais essayer de brancher pour que vous le voyez. Ouais, sauf que ma play n'est pas allumée, donc je pourrais pas vous le faire montrer. Bon, attendez, on va faire ça, c'est pas grave, on va l'allumer. Donc, hop, je sais pas si, ouais, si mon câble il sera assez long, enfin je l'espère. Alors, attendez. Ouais, je fais ça, j'aurais dû prévoir ça avant, donc non, mon câble n'est pas assez long. Il faut que je recule la play. Voilà. Maintenant, il est assez long et il s'est allumé. Okay. Donc, il s'est allumé et voilà ce que ça donne en fait quand il s'allume. Voilà. Voilà ce que ça donne quand il s'allume. C'est vraiment très pratique. Enfin, c'est juste de la beauté après. Hein. C'est pas vraiment le nécessaire. Donc, le micro est juste là en dessous. Donc, il y a le petit boîtier qui est là pour régler tout ce qui est son et tout ça. Donc, il va sur PC et tout et tout et tout. Donc voilà. Ensuite, bah, ma petite liste de jeux, comme vous voyez. Donc il m'en manque un petit peu, mais c'est pas grave, il y en a beaucoup sur la Play aussi d'un côté de jeu. Donc les petits Dragon Ball. Et on va passer maintenant au plus gros de ce setup qui est PC. Donc vous voyez Diablo 2, StarCraft, Warcraft 3. Donc après ces jeux-là, c'est des jeux que j'avais déjà depuis un bon moment, que j'ai jamais joué avec. Et perso, je ne jouerai peut-être pas avec. Si peut-être Neverwinter, peut-être, on verra bien. Donc je sais pas si vous voyez, mais il y a Neverwinter ici. Donc le PC, le voici. Donc j'ai une lampe ici, ouais, c'est la lampe que je viens d'utiliser. Donc il y a une petite webcam juste ici. Donc c'est tout simplement une sorte de GoPro, enfin une mini GoPro qui a pas la même qualité, mais qui fonctionne pour faire les face commentary. Oui, il y aura des face commentary maintenant sur quand je jouerai sur PC. Donc voici la petite tour. Donc une petite tour avec comment ça s'appelle un processeur AMD A6 comme vous voyez ici, c'est marqué. Ensuite la carte graphique, c'est un AMD Radeon, je ne sais plus trop quoi. Donc c'est un nouveau modèle de carte graphique aussi. Donc voilà ce que ça ressemble. Je ne peux pas vous faire montrer l'intérieur parce que je ne l'ai pas encore démonté, en sachant que je dois essayer de récupérer une RAM, car j'ai que 4 Go de RAM et j'en ai juste pas assez. Il me faudrait au moins 8 Go de RAM pour faire passer correctement certains jeux. Donc c'est pour ça que vous voyez un petit peu cet écran. Donc c'est un écran, donc voici les jeux que j'ai sur le PC en attendant. Donc j'ai Aftermath, ouais c'est ça, Aftermath, qui est tout simplement WarZ en fait, si vous connaissez. En gros c'est un sorte de DayZ. J'ai Smite, League of Legends, bon bien Diablo 2 que j'ai installé, et Ion, qui est bah, en fait presque tous les jeux qu'il y a là, c'est des free-to-play. Et Elsword aussi. Donc voilà. Donc oui, je disais que j'avais un petit souci, vu qu'il manque
Il manque de la RAM pour faire tourner Aftermath, donc je peux pas le faire tourner en ultra car il manque de la RAM et ma carte graphique apparemment ne tourne pas assez vite pour faire marcher ce jeu. Donc voilà, c'est en gros c'est terminé. Donc je vais vous faire montrer un petit peu le clavier et la souris. Donc c'est des claviers de base. Donc au moins c'est pas un clavier mécanique, c'est ça qui est le plus intéressant. C'est un clavier normal, tout simplement, moi je dis. Avec la souris, pareil, hein, c'est la souris. Bon, en gros, c'est ce que j'ai eu avec la tour. Mais que je vais peut-être modifier à l'avenir. Tout simplement. Ensuite, mon son de jeu sort dans ce gros truc-là. Donc, c'est tout simplement un caisson, en fait, avec les haut-parleurs que vous avez vus ici. Voilà, je vous les refaire montrer tous les deux. Voilà. Donc, oui, je vais passer au problème que j'ai. Donc, le problème que j'ai, c'est ce petit truc veut plus enregistrer les voix dans les jeux. Donc, parce que là, comme vous le savez, j'ai commencé Wolfcube. Donc, on a fait une vidéo dimanche, donc hier. Et en faisant la vidéo, quand je voulais faire le montage et tout ça, j'avais pas du tout de son. Donc, je comprends pas vraiment pourquoi. Donc, je vais repasser. Sur l'autre caméra, et puis je vous dis tout simplement à tout de suite pour parler un petit peu de quelque chose d'autre, tout simplement. Re tout le monde, donc voilà, je suis de retour, comme vous le voyez, donc avec la lumière bleue, c'est génial, alors que la lumière n'est pas du tout bleue, elle est toute blanche. Donc je comprends pas pourquoi ça aussi ça fait ça, mais bon, c'est pas grave. Donc je voulais tout simplement vous parler du petit souci que j'ai donc avec l'AverMedia. Il fonctionne toujours, mais le problème c'est qu'au niveau du montage, en fait, j'ai pas le son de la voix des autres personnes qui sont avec moi. Donc je ne comprends pas pourquoi. Là, attendez, je vais juste switcher au niveau de l'écran. Voilà, je vais mettre l'écran de la Play pour voir. Ok. Attendez, ma manette est buggée ou comment ça se passe? Je peux... Ah si, non, c'est bon. Elle était pas allumée. Donc oui, donc un petit souci avec ça, mais ça va vite être réglé, vous inquiétez pas, enfin, je vais refaire des vidéos du coup dessus. Donc je ferai un let's play sur, parce que là on va parler un petit peu de let's play, je vais faire un let's play sur Lost Planet 2 où je vous ai fait la découverte, donc je serai peut-être pas seul sur ce let's play. Donc moi je suis en train de regarder mon écran alors que la webcam, enfin la caméra est là, c'est n'importe quoi. Ouais, faire un let's play sur Lost Planet 2 en compagnie d'une personne en espérant qu'elle va vouloir. Sinon, bah tant pis. Ensuite, faire aussi des vidéos sur PC. J'ai enfin, j'ai de quoi record sur PC, donc je vais utiliser OBS tout simplement. Car Fraps ne fonctionne pas sur Windows 10. Hein. C'est dommage, oui, j'utilise Windows 10 car c'était déjà implanté sur l'ordi, enfin sur la tour. Mais en même temps, j'ai pas de bug avec, donc pour l'instant, je vais rester avec ça. Donc voilà, donc la vidéo setup est terminée, les amis, en espérant que ça vous a plu. Et voilà. Donc en espérant que ça vous a plu, et puis je vous dis tout simplement à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis voilà. Allez, salut tout le monde et à la prochaine.